Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo d'achat-revente sur FUT17. Donc aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter une technique d'achat-revente pour les moyens budgets. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à lâcher ton like ou à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc voilà les gars, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui les mecs, je vais vous présenter la technique de la Tech Avion Plus. Comme vous le voyez sur ma pile d'échange, j'ai 26 ventes, donc j'ai que de la Tech Avion Plus. Donc comme d'habitude, dans la description, il y aura la liste de joueurs pour cette technique justement. Donc, alors, comme vous le voyez ici, j'ai vendu Joom, Titi, du Chicharito, du Oscar, du Benteke, du Bolassi, Lucas, Slimani, Matip, Depay, Insigne. On a du Bellarabi, du Lalana, Butland, Shaqiri, Oscar encore, Herrera, Sané, Schürrle, Mertens, Rashford. Et c'est tout, non, Marquinhos, Kane, Gomez, Mata, Götze et Thiago. Et j'en ai d'autres, hein, sur la liste, il y a du Krikoviak, du Tolisso, etc. Bref, la liste est dans la description. Donc comme vous le voyez, les joueurs de BPL marchent vraiment pas mal du tout. Avec cette technique, je fais entre 5 et 10 ventes par heure. Ça marche vraiment très très bien. Sachant que ma pile n'est pas remplie à 100 parce que j'ai aussi de la Tech Avion. Mais si elle est remplie à 100, je pense que vous faites plus de 10 ventes par heure. Je sais pas. Moi, en tout cas, je fais entre 5 et 10 ventes. Ça dépend des fois. Donc, les mecs, cette technique, elle est très simple. On va prendre un joueur de la liste. Donc, un joueur qui vient de se vendre. Allez, un joueur qui marche bien. On peut essayer par exemple sur... On peut essayer par exemple sur Joom Titi qui marche vraiment très très bien. Donc c'est simple, Samuel Umtiti, vous allez le rechercher sur le marché des transferts. Rien de compliqué pour le moment. Umtiti, on va prendre son prix minimum sur le marché des transferts. Donc il a baissé, il est en dessous de 4002. 3002, il n'y en a pas. 3004, il y en a. Donc ce qu'on va faire les mecs, c'est que vous montez son prix de 200 voire 300 crédits plus cher et vous faites défiler les styles appropriés au poste. Je vous ai mis également en dessous de la liste de joueurs. Les styles appropriés à chaque poste. Donc pilier, il y a des joueurs. Donc maintenant les gars, ça va être simple. Vous allez prendre un joueur qui a soit 99 de forme et minimum 10 contrats, bien évidemment avec le style, ou soit il a pas 99 de forme mais il a minimum 50 contrats, parce que moi je prends pas en dessous de 50 contrats. Donc là il n'y a rien, il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà. Ensuite en charnière, on a ici un 6 contrats. On a quoi d'autre? On a 28 contrats mais il a seulement 95 de forme. Donc on continue à faire défiler les styles. Ensuite ici il y en a un avec 12 contrats et un ici avec 13 contrats. Donc on les met sur les objectifs des transferts les deux. On va mettre également lui avec 15 contrats et 99 de forme sur les objectifs de transfert. Ensuite on fait défiler les styles. Donc garde, il y en a avec 11 contrats, on le met sur les objectifs de transfert. Sentinelle, est-ce qu'il y en a? Ouais, il y en a beaucoup. On va prendre... Ah bah tiens, là-bas, il y en a un avec 21 contrats, 99 de forme. Ou ici, 91 contrats, 99 de forme. Donc voilà, celui-là, c'est parfait. Celui-là, les gars, il y aura juste à le revendre 1500 plus cher. Parce que dès que vous avez pris un joueur avec minimum 10 contrats, 99 de forme et le style, vous lui appliquez un contrat hors rare. Et donc voilà, il aura pas mal de crédits, enfin de contrats pardon. Et vous le relistez à 1500 crédits plus cher. Donc moi je l'ai acheté 3600, je vais le mettre à 5100. Et donc voilà, normalement il part à 91 de contrat, 99 forme avec le style Sentinelle. Normalement il part. On va prendre un autre exemple. On va prendre Christian Benteke. Donc voilà, il a 1000 crédits sur le marché. On va monter de 300 crédits. On va faire défiler les styles appropriés au poste. Donc voilà, comme d'habitude. Alors, en finisseur, oh, il y en a avec 53 de contrats, 99 de forme. Donc on va le prendre. On va le mettre sur notre équipe active, les mecs. Et tout simplement, ce qu'on va faire, on va appliquer un contrat hors rare. Voilà qui est fait. Donc il se retrouve avec 95 de contrats. Et donc voilà les mecs, là vous pouvez le remettre à 1500 crédits plus cher, il va partir. Donc voilà, j'ai remis à 2008. Et on peut faire un dernier exemple sur Marquinhos, joueur qui marche vraiment très très bien sur cette technique. Marquinhos, il est à 1000 crédits sur le marché, on monte de 300 crédits et on fait défiler les styles appropriés au poste. Donc pilier, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas. Charnière, il y en a pas mal, il y en a un avec 20 contrats, 99 de forme. On le met sur les objectifs de transfert, peut-être qu'on va trouver une carte plus intéressante après. Gladiateur, non, il y en a pas.
garde. Il n'y en a pas. Et enfin, est-ce qu'il y en a en sentinelle? Il y en a un avec 18. Deux contrats, 99 de forme. Donc on va aller sur nos objectifs de transfert. Et on va prendre le Marquinhos le plus intéressant des deux. Donc c'est avec 20 contrats. Ouais, les deux sont à 1300. On va prendre celui à 20 contrats, 99 de forme. On va le mettre sur notre équipe active. On va lui appliquer le contrat hors rare, bien évidemment. Donc il se retrouve avec 62 de contrat, 99 de forme avec un style charnière. Et comme d'habitude, on le remet à 1500 crédits plus cher. Voilà qui est fait. Donc avec cette technique, les mecs, vous pouvez vous faire entre 1000 et 1300 bénéf par joueur. Ça dépend si vous lui mettez des contrats et ça dépend de la taxe aussi. Si vous avez des questions sur cette technique, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai. Dans la description, comme je vous ai dit, il y a la liste des joueurs pour cette technique. J'ai mis également dans la description mon Twitter, donc n'hésitez pas à aller me follow. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo et si cette technique vous a aidé. Je vous retrouve bientôt les gars pour de nouvelles vidéos. Bonne fête à tous, portez-vous bien la famille. Ciao.